Je vous explique, je viens de dire à Carlos que le rouge à lèvres là que je porte, il est horrible. Carlos, il se met à rigoler. Bonjour la famille. Alors, bonjour. On espère que vous allez bien. Donc là, on se retrouve à Franprix avec Carlos. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on va comparer le lait parce que on aime beaucoup prendre du lait à la maison, mais on ne s'est jamais rendu compte en fait à quel point il y a certains laits qui coûtent cher. Ouais. Donc aujourd'hui on est venu, en fait on est en train de comparer les prix pour vous, si vous aimez boire du lait, comme ça vous allez pouvoir voir les différents prix. Donc on va commencer par Franprix, après on va à Lidl et après on va à Carrefour pour comparer le lait. D'accord. Donc on est bien protégé parce qu'il fait très très froid, j'ai envie de vous dire, il fait très très froid. On est dans les rayons de chez Franprix et ils sont en train de faire le... Oui, ils sont en train de faire les rayons, c'est pour cela, vous voyez pas mal de cartons à gauche à droite. On se dirige directement au rayon lait. À savoir que nous, à la maison, on boit plus pratiquement du lait entier. Oui. Ces derniers temps, j'ai vu qu'on avait acheté du lait demi-écrémé. Le lait là que j'avais pris à Carrefour, ouais. C'était du demi-écrémé. Non, pas la dernière fois. Oui, parce que j'avais pris 3 packs de lait à Carrefour. Demi, oui. C'était du demi? Ah ben, j'avais pas fait attention. Parce qu'en général, c'est du lait entier qu'on prend. Et là, chez là, à Franprix, vous avez différents laits. Déjà, il y a... C'est quoi celui-ci? Ça, c'est un demi-écrémé, ça, non? Demi-écrémé? C'est du demi-écrémé. Demi-écrémé, ouais. Les packs de 6... Il est à 6. C'est 0,10. Non, ça, c'est pas du lait. Du il lait, doit hein. pas coûter 2 euros. Ah, c'est du lait bio. Ah, d'accord, parce que j'allais dire, waouh. Il coûte cher. Le lait bio, c'est celui-ci Ça, c'est demi-écrémé toujours. Oui, mais bio, dès qu'il a fait tout grand vert, là, je pense c'est bio. Non, non, c'est pas celui-là. Attends, c'est pas celle-là, là. Non, ça, c'est... Viva. C'est Viva. Et Viva, il est où? Il est à 6 euros, il est là. Ah oui. Le Viva, il est là, donc il est à 6 euros. Il faut qu'on trouve le lait, là, qui coûte 2 euros. Ici, c'est pas Actel, chérie. Non, ce n'est pas ça. Alors. C'est pas celle-là. Oui, c'est ça. Hein. C'est celle-là bio. Hein. Attends, il est où bio? Ah oui. Matin léger. C'est le matin léger, lecteur. Oui. Mais il coûte cher. Hein. Actel, 12 euros. Hein. À 2 euros l'unité. Oh, il coûte cher. J'aurais jamais pensé que... L'Actel, il coûtait aussi cher comme ça. Franchement, je suis choquée parce que je ne pensais pas du tout que le lait Actel bio coûtait 12 euros les 6 bouteilles. Je suis choquée. Je préfère encore, dans ce cas-là, prendre Viva qui coûte 6 euros les 6 bouteilles. Le Viva, oui. 6,47 euros. Le Viva, c'est celui-ci. Je vais vous montrer. C'est celui-ci. Celui-ci coûte 6 euros les 6 bouteilles que de prendre le Lactel. Alors. Bonjour. Alors moi je travaille pour Unilever France, donc, qui est un gros fournisseur donc, avec des marques assez emblématiques comme Knorr, Alza, Maille et d'autres. Donc là je vais vous expliquer simplement la différence entre les différents types de magasins que vous pouvez rencontrer. Mm-hmm. Donc, on va de l'hypermarché qui est le plus grand magasin, donc vous avez des grands Auchan, des grands Carrefour, souvent dans les centres commerciaux. Mm-hmm. Après vous avez des supermarchés. Donc supermarché ça va être des Intermarchés super. Leclerc ont aussi des super. Mm-hmm. Et vous avez aussi chez Casino des Casino super. Oui. D'accord. Ici aujourd'hui on est dans un Franprix. Franprix c'est encore différent, c'est encore plus petit qu'un supermarché. Okay, ouais. C'est ce qu'on appelle une enseigne de proximité. Une enseigne de proximité ça va être Franprix, Carrefour City, Carrefour Contact, ouais. G20. Ouais. Il y a des petits U aussi. Alors non, Casino en fait, Casino AG20 uh-huh. et Franprix. En fait, tout ça appartient à Casino et c'est leurs enseignes, en fait, c'est leur, si vous voulez, leurs enseignes de proximité. Ok. Et après, donc, ouais, on va avoir donc des G20, des Inter Express, Intermarché Express. Et il y a aussi des U-Express, c'est ça. Ça, on ne connaît pas. Vous avez les U-Express et les tout petits magasins. Après, mm-hmm. voir Super U. Donc là, on part sur du supermarché. Mm-hmm. Et après, il y a des plus grands U qui sont encore plus grands. Donc là, ça va être des hypermarchés. Okay. Voilà. On a appris pas mal de choses avec Maxime qui nous a expliqué en fait les différents prix de différentes enseignes. Et là, maintenant, on comprend mieux en fait les prix qu'on peut avoir chez Franprix ou chez Lidl et les autres en fait, ouais, sans compter vraiment, les grands.
bien comparer les prix par rapport en fait au magasin dans lequel on va faire ses courses. On peut comparer un Franprix et un Carrefour City. Par contre, on peut pas comparer un Franprix et un gros Carrefour. Voilà, parce que le volume de vente n'est pas du tout le même. Du coup, la marge que doit prendre le magasin n'est pas pareille. Beaucoup plus grande dans un Franprix. Ok, ouais, c'est, ben, super. C'est super, on n'était pas au courant. Eh bien, merci. Mais je vous en prie. Comme vous l'avez compris et que nous, on n'était pas du tout au courant, du coup, là, on va continuer la comparaison, mais cette fois-ci, on ne va pas aller à Carrefour, on va plutôt aller à Carrefour Contact. Carrefour Contact. C'est un petit Carrefour qui est juste qui est à côté, ouais, au niveau des Franprix. Donc, on va aller voir chez eux les prix et après, on va aller au Intermarché. Il y a une qui est de l'autre côté. Parce que nous, on ne savait pas du tout et le monsieur, il nous a bien expliqué. Donc voilà, c'est super. On se dit à tout à l'heure. Là, on est à Carrefour Contact. C'est aussi une commerce de proximité. On est là, on vient voir aussi combien il est les coûts par rapport aux autres magasins, comme on était à Franprix tout à l'heure. On vient à Carrefour et c'est les mêmes zones. Hein. On va voir combien ça a, quelle différence de prix qu'il y a. Ok, on y va. C'est parti. En fait, avec le lait Lactel qu'on a vu là-bas, mais c'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas la même chose. Donc non. Ici, il y a combien? Là-bas, il était assis au 80. Oui. Ici, il est à. Le prix. Ils ont même pas affiché le prix en fait. Il n'y a pas le prix en fait, chérie. Il n'y a pas le prix par pack. Il n'y a que les prix à l'unité. La cagnotte Fidélité Carrefour, c'est vraiment une belle invention. Donc là, vous avez le Viva qui coûte combien, le Viva, chérie? Le Viva. On l'avait vu à Franprix tout à l'heure, il coûtait 6 euros et quelques. Ouais, mais je n'ai pas trouvé le prix aussi. Du Viva. On n'a pas trouvé le prix. Tu sais ce qu'on va faire? Tu l'as trouvé? Oui. Le Viva, ici, chez Carrefour Contact, il coûte à 5,52 euros. Donc il est quand même moins cher qu'à Franprix. Oui. Il est quand même moins cher. Malgré que ça soit un petit centre commercial de proximité, il est quand même moins cher, le Viva. Par contre, le lait entier, est-ce que tu as vu le prix du lait entier? C'est entier. Le demi-écrémé, on le trouve là. Oui, qui est à 5,94 €. Ce lait-là, c'est ce lait-là que vous trouvez à 5,94 €. Qui est là. Là, on a du lait bio, mais qui n'est pas le même bio qu'on a vu chez Franprix. Ici, le bio, c'est un bio Carrefour. Donc, on ne peut pas le comparer parce que. On n'a pas le prix aussi. On n'a pas le prix. Ça, c'est avoine. C'est ce lait-là, le lait-là qui est là. Le lait avoine, qui est juste à côté. On n'a pas le prix aussi. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on va calculer quand même à l'unité pour voir les 6, combien ça coûte à peu près pour avoir une idée? Je ne vois même pas le prix à l'unité. À l'unité par rapport au lait Lactel qui est là. Il n'y a pas d'unité à l'unité, je ne vois pas le prix à l'unité là. J'ai oublié de mettre. On a trouvé le prix du bio demi-écrémé qui est à 1 euro, c'est ça? Ouais, 1,02 € chez Carrefour. Donc on le note parce que là on part directement au Intermarché. On a le prix des Viva, on n'a pas le prix des autres, dommage. Ouais, dommage. Mais en gros, nous à la maison, on a l'habitude en fait d'acheter celui-là. C'est ce qu'on a l'habitude de prendre à la maison, mais là, on ne voit pas le prix de celui-ci. Il n'y a pas de prix. Ouais. Même le prix à l'unité, il n'y a pas. Tout c'est demi-écrémé. Et pourtant, c'est assez lait entier. Oui, c'est du lait entier qui est super bon. On a l'habitude de le prendre depuis des années. C'est le lait qu'on utilise à la maison. On est arrivé à l'Intermarché. Donc, on va aller voir à l'intérieur combien ça coûte le lait, puisqu'on vous a dit qu'on est parti faire une comparaison de différents laits qu'on peut trouver dans les commerces de proximité. Ouais. Donc, voilà. Tu penses super, hein? Il est grand? On va quand même aller voir, même s'il est grand, mais il est quand même dans le quartier, parce que là, regardez, il n'est pas, en fait, c'est pas au centre-ville, là. Il est vraiment dans le quartier, celui-ci. Mais c'est vrai qu'il est un peu plus grand que Franprix et Carrefour Contact, là où on était. Oui, il est un peu plus grand. On doit vous dire qu'il est vraiment très, très grand. C'est comme si on était à Carrefour. Hein. C'est comme si on était à Carrefour. C'est super, super marché. Ouais, il est vraiment grand, il est plus grand que le Franprix qu'on a à côté de chez nous. Et il est comme Carrefour en fait, un moyen Carrefour. Pas énormément comme Carrefour, vraiment, mais il est plus petit que Carrefour.
Oui. Et c'est un commerce à côté, on voit. On... Regarde les promos qu'il y a au niveau du lait. Demi-écumier 7,67. Déjà, c'est moins cher qu'à Franprix. Hein. On verra. Là, on a le demi-crémé qui est en promo. Il y a celui-ci aussi qui est en promo à 5,05. Et ici, mes chéris, il est un tout petit peu moins, il est un tout petit peu plus cher, le Lactel, en promotion, 5,89€. Ça, c'est Lactel demi-écrémé. C'est pas le même qu'on a, c'est qu'on doit chercher, c'est Lactel bio. Ah d'accord, mais ici, il n'y a pas. Par contre, vous avez du lait là qui s'appelle Merci. Merci la France peut-être. Attends, c'est quoi le lait là, chérie? C'est ça, j'ai dit, ce sont des laits produits en France. Ce sont des produits français. Ah, ok. De la France qu'on aime. Donc voilà, vous avez du lait français qui est produit en France et qui coûte 88 centimes l'unité. Ouais. Ouais. C'est ça, hein? C'est pas que ça, il va, apparemment, si c'est 88 centimes. Il y a 0,44€, la moitié qui va trouver l'éleveur. Oui. Mais c'est bien, c'est une très bonne initiative d'avoir fait ça, de fabriquer du lait français. Pour savoir combien toucher vraiment. Je pense que c'est une bonne idée de mettre le prix, combien qui va trouver l'éleveur, parce que les pauvres travaillent beaucoup. Ouais. Et au moins, ça donne une idée pour savoir combien eux aussi ils gagnent, parce qu'ils font leur travail, il faut qu'ils gagnent aussi leur vie. Parfois, ils ne peuvent même pas faire leur fin de mois, les pauvres. Ouais. Là, vous avez le lait, le Viva qui est à 5,77€. Mais ici, on a le lait entier. Ouais, on a l'entier. Oui, on a le lait entier qui coûte 6,12€. Le stérilisé entier, 6,12€. Oui, 6,12€. On l'a trouvé où, 6,12€? Attends, on va regarder notre petite... feuille. 6,12€, on l'a trouvé chez Carrefour Contact. Chez Franprix, le lait, le Candia, on avait trouvé le Candia, oui, qui était à 6,47€. Oui. Et ici, c'est à 6,12€, qui veut dire que ce lait-là, il est moins cher que là-bas. Que chez après, c'est une question de nom et de gamme aussi. Oui. Les laits, ils ne sont pas tous pareils, donc ils sont tous différents. On n'avait pas trouvé de lait entier à Carrefour. Oui. Donc en gros, qu'est-ce qu'on peut vous dire la famille? C'est-à-dire en fait en gros que dans chaque magasin, le lait il est vendu différemment. Mais je pense que c'est ici on a trouvé plus cher moins le cher. Lait. Moins cher? Non, oui. Mais on avait trouvé une tout à l'heure, 7€, non. Qui coûte quand même 7,99€, le ça, Viva. Je pense que c'est celui-ci. Je ne connais pas parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de lait. Ouais. Attends, il faut qu'on le cherche, le lait qui coûte le 7€. Le bio qu'on avait trouvé là-bas à 12€, là ici il est à 11€. Ah, ça va, ça va. Ouais. Ah, on avait trouvé ça où, à Franprix? À Franprix, oui. À 12€, là, il est le même lait, hein, le bio. Mm-hmm. Et la selle, oui. 11€. Au lieu de 2€ par bouteille, il passe par litre, il passe à 1,83€. Mm-hmm. Ici c'est moins cher. Le lait entier aussi, c'est moins cher ici. Le lait demi-écrémé aussi, c'est moins cher. Vous l'aurez compris que si vous cherchez en fait à acheter votre lait, il faut vérifier parce que tout dépend de la marque, tout dépend de là où vous habitez, tout dépend de là où vous allez l'acheter. Donc il faut vraiment regarder les différentes laits qui proposent le lait bio, le lait demi-écrémé, le lait normal. Tout est vendu différemment, mais on trouve quand même que chez... ici, chez Intermarché, le lait il est quand même moins cher que chez Franprix et chez Carrefour Contact. Oui, dans les commerces là de proximité. Où on était. Il faut bien le préciser parce que c'est vrai que parfois on n'a pas le temps d'aller à Carrefour pour faire les courses. On veut venir vite fait prendre du lait et aller déjeuner. Mais il faut faire quand même, en fait, il faut choisir. Tout dépend de ce que vous prenez aussi combien par rapport à votre lait. J'ai fait beaucoup de confiance au lait qui sont pasteurisés et fabriqués en France. Ouais. Pour moi, c'est au niveau des normes sanitaires. Ouais. Tu as plus confiance. Ouais, j'ai beaucoup plus confiance. Ouais. Voilà. Comme Carlos il l'a dit, il a plus confiance au lait qui est fabriqué en France, côté sanitaire, que le lait qui vient de l'étranger. De retour à la maison, donc j'ai pas pu vous filmer quand on est parti au resto pour manger avec Carlos. Du coup, mon rouge à lèvres là que je n'aimais pas, il a disparu. Et puis j'ai profité pour faire pas mal de trucs, mais en tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir
comparer en fait différents laits dans différents endroits. Donc j'espère que le concept vous a plu. La prochaine fois, je vais essayer de mieux faire, de mieux m'organiser pour que vous puissiez vraiment avoir une idée vraiment de chaque produit et chaque prix. Et du coup, voilà. Donc, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me donner vos retours dans les commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à très vite sur la chaîne.